Et la gestion de la commune, si on se réfère au contenu de l'acte 3 de la décentralisation. Cela doit nous orienter vers d'abord une mise à niveau concernant le problème foncier, puisque c'est des activités qui ont démarré depuis un certain temps, mais qu'il faut peut-être porter à connaissance de la nouvelle équipe mise en place tout récemment. L'utilité, c'est la prise en compte de cette nouvelle forme de gestion des communes, telle comme bien décrite dans le document de l'acte 3 et dépourvue d'expérience. Et vous savez qu'en termes de recherche d'expérience, on peut souvent mettre plus de temps que normalement. Donc cela nous permet vraiment de nous organiser davantage en tenant compte des nouveautés dans la gestion de la commune et en étant encore plus ambitieux qu'on l'a été jusque-là. Voilà pourquoi donc cet atelier est d'une utilité incommensurable. Et donc c'est un peu en étroite en ligne avec ce que nous faisons aujourd'hui. C'est d'abord régler le problème foncier. Vous savez que ça a toujours été une pomme de discorde au niveau de la commune de Rospecho. De plus en plus, les populations, la population de Rospecho maîtrise un peu les rouages, en tout cas la façon de formaliser ce problème foncier. Et nous allons les accompagner dans ce sens. Les autres défis, c'est d'abord permettre à la population de Rospecho d'avoir une vie de qualité dans le domaine de la santé, dans le domaine des services sociaux de base, pour ne pas trop m'épancher sur le détail de cela, et dans le domaine de l'agriculture, parce que vous savez que c'est une zone fortement agricole. Il faudra qu'on les accompagne dans l'accès à la terre, au foncier, faudrait qu'on les accompagne dans la commercialisation de leurs produits, il faut qu'on les accompagne dans l'accès aussi au financement. Donc tout cela participe d'une organisation qui nous permet de mettre en place en fait un dispositif qui va être le plus proche possible des populations, des habitants de Rospecho. Ndax té ñun dañuy équipe bu bess, équipe bo xamné danaka expérience biñu am ci naka la commune di doxé bari lu ko. Ñu rafetlu ñaari ponc yi ñu fi jël, benn bi mu jëm ci mbirum lépp lu jëm ci suuf si, té loolu yag doon jafé fi ci Rospecho. Benen bi jëm ci li président Macky Sall indi lu bess ci naka lañuy doxalé commune yi gox, muy lu am solo, parce que coppité yi bari na, mais coppité biñ ci gëna nat bi tax formation bi amul ñu ñëriñ lool moy pexé biñuy jox commune yi pour ñu jëmele seen commune kanam, pour ñu safara jafé-jafé yi. Da fay permettre, xam nga commune yi légui may nañ leen ba ñuy dem di wuti, évidemment di wuti di indi su dé ñaan la, en tout cas organisation bo xamné da fay melni rek gouvernement ci biir gouvernement. Donc loolu dafa am solo lool ci ñun, moo tax ñu rafetlu lool di sant bu baax waa Millennium Challenge Accounts ci accompagnement bi ñu jàppale bi ñuy jàppale pour yooyu mën a doon daal lu ñuy dugal ci suñuy doxalin ba suñu commune mën a jëm. C'est vrai, jafe-jafe yi bari na. D'ailleurs suba la ñuy taxawal commission yi nga xam ne ñooy ànd ak cabinet maire liggéey, te jël programme bi nga xam ne moom lañu fasiyéene tëral fii ci Rospecho, ñu jël ko décortiquer ko, xool naka lañ koy defee mu gën a rafetee ba indil daal résultat yi ñuy séntu mu indi ko fii Rospecho. Li ci jiitu mooy ñu régler définitivement mbirum foncier bi, mbirum suuf si. Su loolu weesoo, lépp lu jëm ci service sociaux de base yi, maanaam mbirum pac mi, mbirum njàngale mi, mbirum ndox mi, assainissement, inondation, yooyu yëpp vraiment am nañ ci ay tënk yoo xam ne daal ay pexe yoo xam ne am nañ yaakaar ne fii ak at nit ñi danañ gis jeego yi, te danañu xam ne que suñu yéene mooy def ba nga xam ne képp ku yeewoo fii dëkk Rospecho nga am dund boo xam ne dund bu de qualité la, dund bu baax, bu sell, boo xam ne dana leen permettre ñuy liggéey ni mu waree, faj seen aajo, te am commune boo xam ne, équipe municipale boo xam ne dana leen mën a accompagner ci loolu yëpp.
lolu dal moy suñu ambition suñu bëgg té lolu li fi am tay ni muy formation bi am na ci ñëriñ lolu ndaw chargé de projet foncier au Millennium Challenge Accord. Alors cette semaine dès l'installation des conseils municipaux, nous avons tenu bon de nous concentrer sur la mise à niveau de l'ensemble des conseils municipaux sur l'ensemble des activités d'exploitation foncière de MCA Sénégal et en profiter pour les accompagner sur un renforcement de capacité sur l'axe 3 de la décentralisation. Tout cela en fait de permettre que les activités foncières menées depuis 2010 puissent être pérennisées et que les actuels tenants des conseils municipaux puissent donc nous permettre d'accompagner les activités qui restent d'ici un an et surtout de pérenniser et de capitaliser cet important investissement du Millennium Challenge à compte sur la société. Je constate que l'ensemble des activités que nous avons eu à mener depuis 2010 sont pérennisées déjà, capitalisées, et vous avez pu constater avec l'intervention des gens que toutes nos activités ont été restituées par les populations elles-mêmes. Et ça augure tout simplement que cette année qui reste nous permettra de mieux capitaliser, de renforcer. Et nous sommes très confiants quant aux gestions des collectivités locales sur l'aspect sécurisation foncière. C'est une activité où nous sommes très fiers de par les résultats que nous avons aujourd'hui et que vous pourrez constater avec les populations, les élus locaux, les services techniques, l'administration territoriale. Et donc nous sommes vraiment heureux de constater que les gens se sont appropriés de cette activité et nous sommes en accompagnement et nous sommes très confiants du retrait de MCA sur ces activités et c'est avec plaisir que nous avons pu déjà avoir des indices qui nous permettent d'augurer d'un impact positif de cette activité de sécurisation foncière. Ginnaw ba acte 3 de centralisation bi mu défé communisation intégrale communautaire yi don andal nek commune tay commune bess bi mu am changement ak parité bi danaka ñi ngank tay conseil mu am changement bu reuy ñun ginnaw ba 2010 ba légui ñi ngi ñew ci walu souf ak mbay fexé ko léral fexé yarin wi ak terin wi da am jaar yoon ñi ñewon tay bi nga xamé ni conseil yu bési taxaw na ñew and ak ñom fatali len lan lan fi liggéey ci walu yarin ak terin souf muy sécurisation foncière bu wut bonne gouvernance foncière yarin wu sel te lèr ñu ñewon tay waccel len lool ci souf ga gis tay ñom ñep ñu am danaka ñom ñoko waxal seen bop liñ fi liggéey muy lo xamne dal na ci ñun xel lool benen ba ñu ni nan leen and ak ñam nak renforcer leen former leen ci acte 3 de la décentralisation ana lan la fi indi lan moy yes lan moy bes xamne acte 3 ñepp xamna ni virement bi am solo innovation bi acte 3 indi moy un virement vers l'approche économique. Il y a un acte, institutionnel, mais il faut indi, il faut gagner ñaax nit ñi ñu mëna dem sur approche économique. Donc lool mo am solo di gëreum nit ñi na yaakar na ko fi laaj tay danaka ñom ñoñu defal su bop sen restitution. Donc suñu xel dal ni liñ fi bayyi mi ngi ci xol yi mi ngi ci xel yi mi ngi ci keyit yi te suñu leen wone ginnaw na mo de ñak MCA leg mu 23 septembre 2015 day taxaw liñ fi bayyi nit ñi daan koy yoré teural ko doxal ko bu am solo muy li tubaab wax pérennisation. Donc nous sommes très confiants si impact bi ak jeexital bi nga xamni activité sécurisation foncière bu direction du foncier et de réforme institutionnelle limu wacce fi yaakar na amna solo te nit ñi nankal nañ ko seen bop teel nañ ko seen bop jox nañ ko solo jox nañ ko cër lool dal muy lu dal suñu xel di gërëm ñi vraiment acteur yépp ndax administration territoriale gouverneur ba ci souf élus locaux yek service technique yek ñëpp ci japon ba tay ñu am xel mu dal ni at mi di ñëw atu capitalisation la te yalla am nañ ci dal yaakar ni nit ñi nit ñu ko téé nit ñu ko jappé daanu mëna retirer wu en toute confiance.